Et bonjour à toutes et tous, nous voilà de retour sur Hogwarts Legacy. C'est enfin le week-end, c'est vraiment cool d'être en week-end le mercredi soir et d'avoir le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche comme week-end, 4 jours de week-end où je vais pouvoir me régaler avec ce jeu que je trouve excellent. Alors sortant d'un RE4 remake qui était vraiment Resident Evil 4, j'ai une réussite on va dire. C'est un très bon jeu, le meilleur des Resident Evil que j'ai jamais joué. Mais là, après, voilà, Hogwarts Legacy, on est un cran au-dessus, je dirais, en termes de durée de vie, déjà dans un premier temps, en termes de réflexion, puisqu'il va y avoir des énigmes à résoudre et se creuser un petit peu le crâne pour avancer. Et surtout, voilà, il est magnifique avec des musiques qui sont somptueuses. Il y a vraiment la totalité. Voilà. En somme, plus j'avance dans ce jeu, mais j'avance doucement quand même, on va dire, plus je prends du plaisir et plus je me dis le challenge il va être assez long et je vais me régaler. Hein. Comme vous avez pu voir, j'ai créé les quatre personnages. On est avec Sarah Sur, level 13. J'ai encore les trois autres personnages parce que mon but c'est d'arriver au 100% total sur tout le jeu. Je vais faire un personnage que je vais monter à 100% sur tous les paramètres, les registres qu'il y a à faire, dans avoir les quêtes complètes, les quêtes de Merlin, le vivarium, machin chose et compagnie. Mais après, il faut finir aussi trois fois le jeu avec donc trois autres personnages. Donc, faut finir quatre fois le jeu au total, plus un 100% dans un des personnages. Donc voilà, ça c'est mon objectif. Il y a du boulot. Nous nous sommes quittés hier, donc sur la vidéo j'ai abandonné parce que j'étais fatigué, fin de journée. Là je suis rentré, j'ai fini à 4h, le temps de me tournicoter 2-3 tours sur moi-même, de faire quelques trucs, sorti à 16h et là il est exactement 18h quand j'ai enclenché la vidéo. Et on va partir pour une longue session. Nous étions donc partis pour Azkaban, voir une personne, et on était avec une vieille dame, enfin je sais même pas si elle est vieille, une dame d'âge moyen, on va dire. Allez, et ben on est parti charger le jeu. Je vais regarder ma sauvegarde automatique, c'était bien celle-là. On va prendre celle-là, hein. Camp Polar en haut, prisonnier de l'amour, on va prendre la 20-55. Voilà, sauvegarde automatique parce que je ne pouvais pas sauvegarder à ce moment-là parce qu'on est dans une quête. La possibilité de partir ailleurs, j'ai pas envie de la faire tout de suite, on va la faire plus tard. Je vais retourner aller chercher mes plantes. Donc là, ici, normalement, je vais pouvoir sauvegarder. Et oui, ça va le faire. Donc là, ici, tac, 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 sauvegarde manuelle. Donc ce qui fait que je vais retourner au début, on était le 16, aujourd'hui on est le 17, donc on reprend ici, on maintient, et voilà, donc 18h03, ça commence, c'est parti, mon kiki, on va déjà faire d'autres trucs, je vais aller faire des cours avant de me faire cette quête, on va retourner déjà dans un premier temps, que je me souvienne, là je suis où c'est est de la vallée de Prévolard. Que je me souvienne pour revenir. Ouais, parce que là, je crois que j'ai pas de. J'allais dire une grâce comme dans Elden Ring. Mais attends, mais dégage-toi avec ce truc. Oui, je voulais voir. Là, j'ai pas d'autre truc. Là, elle est pas allumée. J'ai des points de... Ah, c'est quoi ce délire? Ouais, parce que bon, la map, elle s'agrandit, mais... Allez, je suis parti à Poudlard. Je vais directement... je vais chercher la serre pendant que je vais faire autre chose. Je vais replanter une plante et récupérer celle qui doit être prête. Parce que, vu que j'avais fait une quête entre-temps... Tac, 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 bim.
Oui, puis je vais arrêter de... Comment je peux faire là? Désélectionner. Ouais, parce que j'ai utilisé un truc. J'en avais pas. J'en avais 7. J'en ai 6. Et l'autre, c'est quoi ça? Une fiole de machin? Ah ouais. Ça, faut pas que je l'utilise. Là, c'est quoi? Non, mais ça, faut surtout pas que... Ah oui, mais il me l'a sélectionné. Ouais, je préfère perdre ces trucs. Donc, ma petite plante, elle est bonne à récupérer. Ça en replante une. Donc, journal des quêtes. Allez, je suis motivé, là. Je suis motivé, de chez motivé. Jamais un jeu m'aura motivé autant. Je vais regarder quête principale d'abord. Il me semble que c'est les principales. Ah ouais, ouais. Mais c'est du secondaire. Mais je suis obligé de faire du secondaire. Je vais continuer à aller voir. Je vais aller voir le professeur machin là. Réussir à esquiver les attaques ennemies en effectuant des roulades. 5 sur 10. Lancer incendio sur des ennemis. Ah bah oui, mais... Allons-y. Allons-y gaiement. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai pas d'endroit d'indiquer? C'est une secondaire? Il est où ce compte professeur L4 là? Papa, où c'est qu'il est? J'ai pas débloqué tous les points de navigation dans le château. Ouais. Aucune trajectoire disponible. Ah mais il est gentil, il est mignon. Ah, faut peut-être que je sorte de la serre. Et là. Mais c'est quoi ce délire? Quête. Qu'est-ce que je peux faire? Arrêter de suivre la quête. Il n'y a pas... Ah, ça me casse, ça. Pourquoi on n'a pas de... Ventraine a esquivé les attaques en effectuant des roulades. Elle souhaite également que je lance incendio sur plusieurs ennemis. Quant à l'endroit où je pourrai effectuer ces tâches, ma carte ne me sera d'aucune aide. Il va falloir que j'explore. Bon, ça non. Chariot disparu, non. Ouais, je vais aller m'entraîner au tir. Là, il me donne le chemin. Je suis là. Il veut que je me rende. Comment faut le faire tourner ce bordel là? A Q. Hein? Pourquoi ça m'a... Qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il m'a fait disparaître le truc de quête là? Oh, oh, oh. Je voulais pas le faire disparaître. Je voulais simplement y aller. Je savais qu'il y avait un truc. Un ex de bibliothèque. Oui, mais...
Ah, c'est le bordel pour se déplacer. J'avais bien un point de... Là, je peux pas dézoomer. Je vais pas me taper tout le chemin à pied. Ouvrir le journal des quêtes. Atteindre R3. Attendez ici pour passer du jour à la nuit. Mais non. À partir de là, hein. Salle des potions. Ah, c'est un peu le beans là pour se organiser. En plus, on peut pas dézoomer assez et faire trop pivoter. Ok. Maintenant. C'est dans mon dos. Rébellion. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? Un bruit. Ah oui. Regarde. Regarde-moi ça, un petit pack de guide. Ça m'en fait combien sur 5 sur 25. Ok. Ça avance, ça avance. Un cinquième déjà de trouver. Là, c'était quoi? Ah oui, c'est les énigmes. Faudra que je m'y pense. Je m'y penche parce que... J'ai la solution pour les résoudre. Mais pour l'instant, je ne suis pas là. On va faire des quêtes. Ferme-la, je te les ai piquées, tes baveboules. J'ai entendu dire que tu protégeais Préolard des trolls. Révélio. C'est moi qui lui ai piqué ses baveboules. L'autre, elle est vénère. Sachant que oui, après, on fait ce qu'on veut. Les musiques sont voilà, pour ceux qui aimeraient faire ce jeu, qui aiment la musique classique, qui aiment la musique tout court, parce que bon, après c'est bien beau d'aimer la musique. Ouh, c'est pas un... c'est quoi ça? Ah non, c'est un reflet, c'est un parchemin. Ceux qui aiment la musique tout court, n'importe comment, ne pas aimer la musique classique, c'est une faute de goût. Dans ce cas-là, ils aiment certaines musiques, mais pas tout. Dans la musique, après, celui qui me dit j'aime la musique, j'écoute que de la techno, pour moi c'est un con. Quand on aime la musique, on est éclectique, on aime un peu tous les styles de musique. J'en profite hein, pour essayer de ratisser un petit peu les endroits où je passe, voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Ah, là c'est vers les chiottes où sortait l'autre espèce de bouffon là qui a voulu nous dénoncer, qui nous a dénoncé. Rébellion. Je sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Ah si, ça y est. Et oui, ça ressemble à un truc qu'on pourrait y mettre du feu. Il faut que je mette. On va le mettre là, voilà. Et je pense que c'est ça. Mais non. Mais non. Incendio. Et voilà. Et voilà. Allez, un petit truc de plus. C'est quoi ça?
Incendio. Non. Leviosa. Action. Leviosa. Ça veut pas. Allez, continuons. Moi j'essaie comme je veux. Ah, il y a des trucs, ouais, bah ça viendra au fil du temps, parce que le temps de choper tous les mécanismes qu'il y a dans ce jeu, il y a tellement de possibilités. Nous voilà arrivés, mais il me semblait bien, il y avait un truc pour se téléporter qui était là. Mais... c'est quoi ce délire? Pourquoi il y figure pas alors qu'il est allumé lui? Rébellion. Pourquoi il voulait pas me téléporter ici? Parce que normalement, il doit être sur ma carte. C'est vraiment bizarre. Le petit drapeau, c'est là où... Attends, il y a un truc que je pige pas. Carte du monde, carte de Préola. Là, je suis sur celle de... des machins. Zoomer. Dézoomer. Ouais. Allez, on va vers ça. Là. J'ai perdu suffisamment de temps. Il est là, machin. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner un peu. Content que tu t'accroches. Je vais chercher le mannequin. Oui, c'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. On va essayer. Hein. Entraînement, enchaînement de sorts. Ah ouais. Et oui, mais il y a le truc. Bah, je sais pas si je peux le faire, ça. Ah oui, il faut que je fasse incendio. Donc, bouge pas. Faut que je fasse celui-là d'abord. Bon travail. Ok. Après, je fais quoi? Ouais, mais après... D'accord. Ok. Là. Coup... Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Et voilà. Allez, c'est parti. Oh merde. C'est pas enchaîné comme il faut. Ah merde, c'est celui-là qui enchaîne pas comme il faut. Alors, on recommence. On garde son calme. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ah merde, j'ai pas maintenu. C'est pas évident. Alors. Ok. Voilà, comme ça. Alors. Là, c'est... Ah bah... Tu l'as bien fait à vide. 1, 2... Oh. Tout à
une prochaine fois. Oh, mais merde. Un. Deux. Bah. Attends, mais oui, il faut que je le verrouille. Il faut que je le verrouille comme un con. Un. Deux. Un. Ah merde, il est retombé. Ah ouais. Putain, il est long celui-là. Alors. C'est parti. Un. Deux. Merde. Ah, ça va pas. Un. Deux. Trois. Un. Un. Oh putain, mais il l'a pas. Oh, c'est trois après. Pas évident. Allez. Un. Deux. Trois. Un. Deux. Un. Non. Oh merde. J'ai été trop vite. Oh, il est long celui-là. Alors. Un. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Trois. Un. Deux. Trois. Là. Là. Un. Un. Deux. Trois. Ah. Et voilà. Bon travail. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Je n'aurais pas réussi. Merci, Lucan. Voilà. Tu m'as été d'une grande un aide. Un petit compliment. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de te provoquer en duel. Je suis content de voir que tu n'as pas arrêté de t'entraîner même après avoir gagné le tournoi. Continue comme ça. 5 sur 6. Devoir du professeur Ekat. Mais ça fait partie des devoirs du professeur Ekat, celui-là. Oui, en effet. C'est quoi ça qu'il m'a donné? C'est là. Statue de Grégoire le Hautain. Hein? Ouais, d'accord, ok. Devoir, qu'est-ce? Un devoir. Lancer incendio sur des ennemis. 5. Esquiver les attaques ennemies en effectuant des roulades. 5 sur 10. D'accord. Je vais penser à faire des roulades dans la prochaine truc. Parce qu'apparemment, c'est pas un endroit précis. C'est quand on effectue d'autres quêtes. Ok. Donc ben, là, c'est suivre la quête. Ok. Carte du monde. C'était vers Préolard. Avant. Avant ou après? Ah bon. C'était ni avant ni après. C'était dans Carte du monde alors. Ok. À Poudlard, c'était là. Ok. Je peux aller là, du Marais du Nord et du Marais du Nord, machin chose. Maintenant, je peux pas voyager là, ici. Comment ça se fait que je peux pas définir comme étape? Oui, mais je devrais pouvoir voyager.
Comment ça se fait que je peux pas... Je peux... Faut que j'aille partout, à pied. Ah oui, mais ils sont même pas allumés en vert. Oulala. Ouïaïaï. Il va falloir courir. Bon, c'est pas grave, on va ramasser des trucs dans la nature. On est tombé sur les pouet-pouettes. Ça me fait marrer ces trucs. Je bois un petit coup de café. C'est quand même marrant. Bon, alors. Attends, c'est pas elle, marchande itinérante. Il y a un marchand itinérant. Attends. Hop. Elle avance toute seule. Petite potion. C'est quoi ces chariots qui avancent tout seul? Bon. Je me demande qui vivait ici. Je vais ramasser un corps. Les vaisseaux. Là, je vais ramasser un coffre. Là, je pense pas qu'il y ait autre chose par là. Il m'a enlevé le chemin, ce con. Faut peut-être faire le chariot pour faire apparaître quelqu'un. Les autres, et ouais, mais faut que je pense à les allumer. Je suis où là sur la carte? Je suis où? Attends, mais je suis loin là. Faut que j'allume celui-là. Définir comme étape. Voilà, faut que j'allume celui-là pour pas me retaper le même chemin à chaque fois, surtout si je veux revenir par là. Non, j'ai pas le degré d'inclinaison. Ça y est, ça je savais pas comment y... Hein, là il y a des choupipi. Ah mais je me souviens plus. J'avais vu un autre truc. Non. Il est où le chemin? Il me dit de passer à travers. Il y a tellement de trucs à faire dans ce jeu, c'est... C'est ce qui me semblait, il doit être par là le truc. Rébellion. Mais... Je suis où? Là, il n'y a rien, c'est en ressortant du bled. Mais attends, là je suis après Volar. Ça ressemble après Volar. C'est qui là?
déjà. Rébellion. On va aller allumer le truc. Normalement, il n'y a pas lieu que... Rébellion. Bah là, il est allumé. Ah mais non, il est beaucoup plus loin. Il est beaucoup plus loin. Il est beaucoup plus loin sur le chemin. D'accord. Là, je m'étais arrêté, mais il n'y a rien. Et parce que, ouais, si j'avais su que c'était vers Préolard, je descends 19 mètres. On va l'allumer, le machin. Elle repartira. Là, il me dit de sortir par là. Rébellion. Donc là maintenant. Vous là, pouvez-vous m'aider? Bah, tu vas me filer une quête. Quel est le problème? Vous faites bien de me le demander. Je suis convaincue d'avoir vu un Sinistros. Un présage de mort. Je cours un grave danger. Mais s'il ne me voit pas, tout ira bien, n'est-ce pas? Tout ce qu'il me faut, c'est une potion d'invisibilité. Oui, c'est tout ce dont j'ai besoin. J'en ai pas. Je n'en ai pas. J'ai bien peur de ne plus en avoir. Je vous suggère d'aller dans un endroit sûr et de bien faire attention. Un endroit sûr. Faire attention. Oui, je comprends. Et vous n'avez vraiment pas de... Non. Non, j'en ai pas. Si je te dis que j'en ai pas. J'espère que le Sinistros ou quoi d'autre ne me trouvera pas en premier. Attends, elle est où? Comment ça se fait? Ah oui, mais elle m'a retourné, elle m'a foutu vers la porte. Elle m'a foutu vers la porte. Il n'y a rien à prendre dans cette cabane, à la con. Ok. Donc là... Tu vas me faire descendre pour remonter cet abouti. Oh là 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 là, c'est lourd. Mec, c'est lourd. Bah, je sais pas où c'est qu'ils ont été pêchés cette information qui disait que le monde en dehors de, du château c'était un peu vide, que c'était bien moins joli. Bah, je suis désolé, j'y trouve beau. Hein. Rébellion. J'y trouve beau. Hein. Là, j'y suis déjà passé par là, il me semble. Ah, mais il m'a déjà... Il m'a encore... Dès que je fais un Rébellion... C'est Rébellion, oui.
Eh ben, ça m'enlève le suivi de quête là. Faut que je regarde là dans ce putain de village s'il n'y a pas un truc à proximité à aller. Il y a une flamme ici que j'ai pas allumée. Je vais aller l'allumer. Je vais aller l'allumer. J'ai pas envie de me taper des kilomètres à chaque fois. Bon, déjà, on met la quête. Il m'indique par là. Et là, normalement, il est là. Bienvenue à Campolar en haut. Charmant petit hameau. Voilà. N'allez pas répéter aux habitants de Campolar en bas que j'ai dit ça. Campolar, ok. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. C'est dans la baraque, là? Ouais. Allez, c'est parti pour... pour une mission, voilà. Je sais pas si je vais en sortir vivant, mais on verra bien, ma foi. Oh, il y a encore un coffre. Comment ça se fait que je l'avais fait, pourtant? Cap d'élève charmante. En plus, ça m'augmente les performances. C'est quoi, ce délire? Ah bon, et ben attends, bouge pas. On va mettre ça. Ici. Cap et tenue. Ah ouais. Ouais. C'est pas hyper significatif, mais on remonte de trucs. C'est sympa comme truc. Ouais, on va garder la. Surprise remarquable de bonne facture. 11, ouais, voilà. Elle est adaptée à mon niveau. J'avais bien fait de pas la prendre. Puisqu'entre temps, la première fois j'étais level 12, j'ai fait d'autres fan quêtes. Alors, on va regarder s'il n'y a pas d'autres trucs. Ouais, bon, et ben allons-y gaiement, hein. Avant tout, Barzegoutade, on va sauvegarder, sauvegarder, là on est en emplacement de, voilà, on a perdu légèrement 35 minutes pour pas faire grand chose, juste un entraînement, se balader un petit peu dans les châteaux. Voilà, bah allons-y, allons-y gaiement, hein, ma foi. On va suivre la dame. Madame Thistlewood, j'ai parlé au portrait de votre grand-oncle dans ma salle commune. C'est lui qui m'envoie. Je suis contente de vous voir. L'oncle Eldritch pense que le livre que vous avez trouvé et en ses plus, pages la quête manquantes principale. Ont un lien avec une affaire non résolue de ma carrière d'Aurore. Très bien, je vous écoute. Il y a quelques décennies, un élève du nom de Richard Shuka a disparu après être parti rejoindre une fille, Anne. Son corps n'a jamais oui, été retrouvé. Anne qu'on doit retrouver. Lorsque son fantôme sans tête est brièvement apparu après Olar, sans vraiment savoir comment il était mort, Anne a été condamnée pour son meurtre et envoyée à Azkaban. C'était en grande partie à cause du témoignage d'une fille appelée Apollonia Black. Je crois qu'elle était jalouse d'Anne. C'est terrible, mais je ne vois pas ce que je peux faire. L'alibi d'Anne était pour le moins... dédalé, hein. Elle a dit que Shuka lui avait promis une aventure. Qu'il comptait suivre une carte qu'il avait trouvée sur des pages dérobées à Peeves. Et vous pensez que Peeves a arraché les pages du livre que j'ai trouvé dans la réserve? Si l'on en croit mon grand-oncle, oui. Enfin, tout du moins, c'est ce que pensent les portraits de Poudlard. Mmh. Anne a insisté sur le fait que Shuka lui avait demandé de suivre la carte avec lui, mais seulement une fois qu'elle aurait réussi à résoudre des énigmes qu'il avait préparées pour l'occasion. Étrange façon de faire la cour à une fille. Elle jure n'avoir jamais résolu la moindre énigme et ne pas l'avoir rejoint. Le fantôme de Shuka a disparu presque immédiatement après son apparition. Les énigmes, les pages et la dépouille de Shuka n'ont jamais refait surface. Et Anne a été envoyée à Azkaban sur la seule base du témoignage fallacieux d'Apollonia. Je ne comprends pas. Que puis-je faire pour vous? Depuis tout ce temps, je pense qu'Anne a résolu la première énigme.
Mais après toutes ces années passées à Azkaban, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle refuse de parler aux personnes auxquelles elle ne fait pas confiance. Et elle ne fait confiance à personne. Peut-être que si vous alliez parler à Anne, en tant qu'élève ayant connaissance des pages de Shoka, elle vous révélerait d'autres informations. Si ça peut la sauver, j'aurais envie d'aller à Azkaban. J'adorais voir Azkaban. Quelle histoire horrible. Si vous pensez que je peux l'aider, j'irai avec vous. C'est une merveilleuse nouvelle. Votre gentillesse et votre courage sont tout à fait louables. Il faut le dire. Être une aurore à la retraite a bien des avantages. Nous pouvons transplaner juste devant elle. J'ai escorté des ministres, des professeurs et bien d'autres dans cet endroit maudit. Jamais d'élèves, je l'admets. Mais je vous protégerai. Je suis prête à partir. Très bien. Allons-y. Préparez-vous. Nous allons transplaner ensemble. Pas d'inquiétude, je n'ai jamais désarticulé personne. Alors je voulais dire une petite chose. Et faites bien attention dans cet horrible endroit. Nous serons très vite sur place. Je voulais dire une chose, mon jeu préféré jusqu'à cette heure, de tous les jeux, de tous les temps que j'avais joué, c'était Elden Ring. Alors là je vais voir parce que Hogwarts Legacy, c'est un sacré challenger et je pense que j'ai pas encore parcouru toute la map, toute la grandeur du monde, de par son scénario, de par tout ce que j'ai vu jusqu'à ce soir. C'est fort possible qu'il arrive à dépasser à mon goût. Cela devrait goût, ça c'est mon goût personnel. Mais prends garde, tu pourrais être submergé par le désespoir. Cela passera. Merci de me prévenir. Cet endroit est lugubre. Mais nous ne nous y attarderons pas. Allons, suivez-moi. Mais il me manque juste... Les détraqueurs ne nous feront pas de mal. Il me manque juste une chose à Elden Ring, c'est qu'il ait eu une traduction totale et pas des personnages qui parlent en anglais. Voilà. Maudit détraqueur. Même moi, je n'ai pas réussi à convaincre le ministère de les renvoyer. Nul besoin de tels monstres. Attention à Anne. Elle est ici depuis bien plus longtemps que nous. Fais voir si je fais... Ah mais j'ai pas ma baguette là. Je peux rien faire. J'avais ma baguette. Je lancerai Andoloris sur vous. Andoloris, c'est de la magie noire. On vous enseigne si peu ce que vous devriez savoir. Je me demande si je vais pas la développer, la magie noire. Parce qu'il y a des sorts qui sont quand même puissants. Quelqu'un devrait venir nous nourrir ? Il y a quelqu'un ? Personne ne va me croire à l'école. Rappelez-vous d'une chose. Anne est ici depuis longtemps et les détraqueurs n'ont aucune pitié. Vous allez devoir faire preuve de patience, de douceur et de respect. Êtes-vous... Anne ? Qui est là ? Qui me parle ? Est-ce la mort venue me délivrer ? Putain, je suis vieille, hein. Élève à Poudlard. J'ai trouvé le livre censé vous innocenter. Voilà. Ah, le livre, le livre ! Personne n'a voulu chercher, aucun mage n'a trouvé les pages. Je crois que ce gredin, capable à pénétrer dans sa grotte, il scelle mon destin à Camp Polar en haut. Vous dites que les pages manquantes sont dans une grotte, près de Camp Polar en haut ? Camp Polar, là ! Les ruines cachent un caveau. Un caveau, dans des ruines, près de Camp Polar en haut ? J'imagine que ça vaut le coup d'aller voir. Risque rien, risque rien. Allez chercher les pages de votre livre. Hélène, Hélène, je sais que vous êtes ici. Approchez, je vous prie. Allez, montre-toi. Voilà. Qu'y a-t-il, Anne ? Oh putain, elle a fait disparaître la vieille, je vais me retrouver au milieu de tout ce bordel, il va falloir que je sorte. Oh mon dieu.
Vous êtes blessé. Vite, la caverne. Tout ira bien. C'est à vous de jouer maintenant. Je vais me rétablir dès que... D'accord. Mais, Madame Thistlewood, je... Oh, elle a très disparu, bien. Je crois. Je la trouverai. On je est trouverai où, là la grotte de Shuka. On est à côté de... On est à côté. La grotte de Shuka. Trouver ce que Shuka a laissé par Anne. Voilà. Amène-moi. Amène-moi à la grotte de grotte. On me dit qu'il y a d'autres trucs, mais ça je vais peut-être aller à la dangereux grotte. Si je ne fais pas attention. Bon, faut que je fasse un rouladé pour finir les devoirs du professeur L4 là. Oh là là, la musique. Ah, d'accord. Oh, je me suis spoilé peut-être un petit peu parce qu'il me semble avoir vu une vidéo. Et il me semble que je vais me faire attaquer. 10. Trouve ce que Shuka a laissé pour Anne. C'est là. Ok. Elle est où l'entrée de la grotte? Réveillon. Ouh là 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 là, les chiens noirs, ils sont level 13. Donc, lui déjà, on va le soulever. C'est quoi ça? Fourrure de chien. Ah ouais. Est-ce que si je viens là, il y aura des loups tout le temps? Parce que ça, c'est pour fabriquer une potion. C'est bon ça. Une autre fourrure de chien. C'est quoi ça? Petit écureuil. Et c'est une potion importante, il me semble. Attendez voir. Je vais donc inventaire. Ok. Fourrure de chien. Ouais, c'était ça, fourrure de chien noir. Et les recettes de potions. C'est où déjà? Et ouais, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de récapitulatif sur les potions. Comment je sais pour... Un ennemi de plus. Ok. Et là... 10%. Un chien noir. Quête combat, 1%. Ah ouais, d'accord, ok. Exploration, 1%. Il y a du boulot. Il y a du boulot, il n'y a que le guide du sorcier. 16% de quête, 33%, 0. Ça, la demande. J'ai toujours pas les talents de débloquer. C'est ce qu'il faut que je débloque. Oh. Ce doit être l'endroit dont m'a parlé Anne. Ouais, mais attends, bouge pas. Il n'y a pas... C'est loin. Ah, il y a une épreuve de Merlin, elle est indiquée. Feuille de mauve douce. Eh ouais, il y a une épreuve de Merlin. Est-ce du marais définir comme étape. Je vais aller marquer ce point. On va aller se balader par là-bas. Avant de revenir ici. Oui, surtout que c'est à 276 mètres.
On va prendre un petit peu de risque. Ah, les musiques, elles sont vraiment enchantresques. C'est vraiment beautiful. Beautiful sound. Oh oui. Oula. Il n'y avait pas un truc là. Ah non, c'est les canards qui m'ont fait peur. Enfin, c'est des poules. 157 mètres. Je sais pas ce qu'ils disent les gens. Qu'est-ce qu'il leur faut c'est quasiment photoréaliste, sans déconner, au point de vue de je sais pas. Ouf. Des grands fonds yeux épineux. Ouais, je t'ai vu arriver, connard. Je peux pas te soulever. Je peux pas te soulever, lui. Et ouais. Je peux pas le lever lui. Je vais faire les deux roulades. Et voilà, c'est du professeur terminé. Hey, mais il m'a fait du mal l'autre tout à l'heure quand il m'a capturé. Ah, il m'a. Oula. Ah oui, mais ça m'a fait bouffer des potions. J'ai bouffé deux potions pour finir ce. Ah merde, j'avais pas vu que je pouvais le faire exploser avec le L1. Machin. Yes. Donc, voilà. Eux, ils m'empêchaient d'aller jusqu'au truc. Donc il y a des fonds de jeu ici. Ah, c'est quoi ça? Ah, il y a une autre épreuve de Merlin juste à côté. D'accord. J'ai perdu deux potions. J'avais pas trop le choix. J'avais pas envie de mourir. Voilà. Ouais. Il n'y a pas grand chose là par là. Bon, on va continuer la quête dans la grotte. Ok. On va par d'où on vient. La nuit. Ah si, les ambiances sonores sont super bien retranscrites, que ce soit les effets de lumière, le décor est quand même bien. Je sais pas ce qu'il leur faut aux gens, je sais pas. On n'est pas sur du jeu basique, hein. Et est-ce que... Bouge pas. J'ai une petite idée. Est-ce qu'en faisant tourner le temps, en revenant en journée, non. Ouais, avec les machins là qui étaient juste de mon niveau. J'ai bouffé quand même deux popos level. Ouais. J'étais deux level 13.
Ils m'ont donné des... Mais... Il est en train de me faire tourner en rond, lui. Il me dit que c'est là. Et là, je suis arrivé au machin. Ah ouais, merde, j'ai oublié de bifurquer. C'était en bas. Ici. Mais je voulais voir s'il y avait des loups. Alors, j'avais pas regardé si j'avais un truc. Mais non, c'est pas ça. Avec le professeur Edgat. Ah, j'ai gagné un truc. C'est quoi que j'ai eu? Langue de fond que je. Cet ingrédient est utilisé pour préparer la potion de concentration. Ok, ça me donne exactement là. Et ça. Et du russe. Ah oui, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il me faut pour préparer des potions de machin? Ah ouais, mais je peux pas encore faire mes potions. Ça, c'est une nouvelle catégorie d'animal. Les fangieux, ok. Et ça. Potion de concentration. Et ça, il me faut de la Félix, Félicie et potion de concentration. Ah ouais. Ah non, mais c'est la chrysope. Potion de vie, je sais pas. Je vais en faire 7 sur 16. Ok. Combat. J'ai peut-être débloqué quelque chose. Non. 5 sur 10. Ok. Protection amphibienne. Ok. Ça peut être un stuff. Un bout de vêtements. Mais pourquoi il me dit ah non, ok, vaincre des chiens, ok, il y a ça, protection lupus, ok. Je suis toujours à malheureusement à 1% dans les combats et pourtant j'en ai encanillé quelques-uns. Oh, quasiment une heure que je me balade. Mais je suis pas au bout de la quête. Allons-y. Ce doit être l'endroit dont m'a parlé Anne. Personne n'est venu depuis une éternité. Révelio. J'ai rien loupé au départ. Je suis arrivé comme un con. Ça pue le piège là. Ça sent le piège. Ouh que oui. Ouh que oui. Vous voyez ce que je vois? Ça sent l'arène de combat. Et en plus, je peux cibler les. Je peux cibler les trucs. Ça sent le piège. Ah mais oui, il faut peut-être tirer. Mais... Ah, d'accord. Ok. Hein? Non, ce n'est pas ça. Non. Comment avez-vous fait, Shuka?
pas étonnant qu'Anne n'ait jamais trouvé cette preuve. Non, ce n'est pas ça. Action. Oh putain, c'est qui m'appelle? Je lui ai dit de pas me rappeler, elle me rappelle tout à l'heure. Qu'elle est pénible. Je lui ai dit de pas m'appeler. Non. Comment avez-vous fait, Shuka? C'est bon. Pas étonnant qu'Anne n'ait jamais trouvé cette preuve. Non, ce n'est pas ça. Alors, là, est-ce qu'il le laisse ouvert? Non. Alors. Comment avez-vous fait, Shuka? Lui, il reste ouvert. Ok. Non, c'est pas. On va essayer celui-là. Pas étonnant qu'Anne n'ait jamais trouvé cette preuve. Alors. Il reste ouvert. Est-ce que ça serait pas... Action. Il reste ouvert, ok. Est-ce que ça serait pas l'autre qui répond tout en haut? Alors, on va essayer de l'autre côté. C'est bien parti. Action. Non, ce n'est pas ça. Oh putain. Ma mère qui essaye de m'appeler maintenant sur la ligne fixe. Non. Comment avez-vous fait, Shuka? Celui-là. Merde! Je vais y arriver. Mais... Attends, voilà. Celui-là. C'était pas celui-là. Celui-là, peut-être. Ah, vous ne mourrez pas comme ça, Shuka. Donc que je me souvienne pour les autres. Il faut deux. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des indices quelque part? Parce que là, j'ai cherché par élimination. Parce que il en faut deux d'un côté et trois de l'autre. Ouais. Les deux en bas. Les deux en bas du même côté plus l'autre en haut. Ok. Ah oui, mais... Attends. Ouais, attends, bouge pas. Ça serait pas celui-là? On ne m'arrête pas comme ça, Shuka. Bien, où se trouve la preuve que vous avez laissée? Voilà, donc, ben oui. Ça me paraissait logique. Ouais. Ok. Ouais, vous avez vu là? Deux. Et l'autre en diagonale. En haut. Bon, voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est réglé. Haha. Récupéré. Indice de Shukas. Bravo, tu as résolu mon énigme. Je sais bien que tu étais mon âme sœur et la seule avec qui je pouvais partager mes aventures. Rejoins-moi
à la lisière de la forêt interdite dès que tu le pourras. Je te montrerai la carte dont je t'ai parlé. Impossible de savoir où elle nous mènera. Je t'ai trouvé sur les pages que Pease a arraché d'un livre secret que pour que plus personne ne semble pouvoir retrouver. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je suis ravi de savoir que mon avenir sera lié au tien. Ce n'est que le début. Si heureux que tu aies trouvé ces messages, car je serai parti. Je serai parti seul dans le cas contraire, et quel intérêt y aurait-il à cela? Ok. Un mot de Shuka. Anne ne l'a jamais trouvé. Mais alors, comment est-il mort? Était-ce vraiment sa faute? Ouais. Quitter le tombeau, ça pue la baston. Quand on a comme objectif de quitter le tombeau, est-ce qu'il va pas y avoir des ennemis qui m'attendent à la sortie? Ah, s'il y a un gars. Serait-ce possible? Un fantôme. Quelqu'un aurait enfin résolu mon énigme? Je vous félicite. Richard Shuka, pour vous servir. Richard Shuka? On m'a dit que vous aviez disparu il y a des années. Vous me devez des explications. Vraiment? C'est mon énigme que vous avez résolue. Que faites-vous ici? Hélène Thistlewood, une aurore à la retraite, m'a parlé d'une carte que vous avez dérobée à Peeves. Ensuite, Anne a évoqué une grotte. Vous avez vu Anne? Elle m'a brisé le cœur. J'ai dû continuer sans elle. Elle a fait le bon choix, finalement. Oserais-je vous demander comment elle va? Qu'est-ce que je fais? Je lui dis qu'elle lui a brisé sa vie ou pas très bien, j'en ai peur. Ouais, je vais dire ça. Elle a été emprisonnée à Azkaban pour votre meurtre. Je crains que les détraqueurs ne lui aient causé des dégâts irréversibles. Pardon? Azkaban? Oh, pauvre Anne. Je n'en savais rien. Je croyais qu'elle m'avait rayé de sa vie. J'ai voyagé dans le monde entier pour réparer mon cœur. Je ne suis revenu que récemment. Sur un coup de tête. Je dois parler à l'aurore que vous avez mentionnée pour voir si je peux aider Anne. Excellent. Avant que vous ne partiez, pouvez-vous me dire si je peux encore trouver les pages contenant la carte mentionnée par Hélène? Je suis à peu près sûr de les avoir lâchées dans la grotte quand j'ai perdu la tête. Elles doivent être en train de moisir à côté de mes restes. Je vais vous dire. Retrouvez-moi à la lisière de la forêt interdite et je vous emmènerai là où elle se trouve. C'est la faute d'Apollonia. Comment avez-vous pu voler Pease? Je vous remercie. Merci. Ouais. Je dois trouver ces pages pour aider un ami. Je vous retrouverai là-bas. J'ai pas envie d'en savoir plus particulièrement. Donc... Attends, je sais pas ce qu'est 14. Ok. Donc... J'ai lu le message. Mais ça m'avance pas plus. Ok, tu en suis où? Les forces du mal pendant la journée. Ouais. Il y a un point d'exclamation, c'est quoi? Et c'est ça, expie l'armus? Oui, ben donc c'est ça.
Ok. Donc. Petite sauvegarde. Donc, mais ce qu'il me dit, nouvelle quête, j'en viens du journal. Non mais oui, là, il me donne les infos, il tilte 10 ans après. Donc, carte du monde, carte de Poudlard, ça j'avais machiné. J'ai des épreuves de Merlin. Définir comme étape. Je vais. Mais non. Voilà. Là, je me rends ici. Je vais voir si je peux pas faire l'épreuve de Merlin. Parce que les épreuves de Merlin permettent de débloquer des emplacements supplémentaires pour les vêtements et compagnie. Épreuve de Merlin, définir comme étape. Voilà. Mais je sais pas sur quoi il jouait. Mon petit chat. C'est super bien fait, les ronronnements. C'est qui fait ce bruit là? Ah. Réveillon. Ah. Il y avait des crisiopes. Ouais. J'espère que je pourrai la faire, hein, l'épreuve de Merlin. Réveillon. Il y a un sac là. On les voit bien là, la nuit. Ok. Ok. Réveillon. Ah, il y a encore un autre truc là. Ah, il y a plein de... Ça, je sais qu'il en faut à gogo. Les pierres de lune. Réveillon. Donc on va se les faire. Attends. Il est où l'objet? Il est dans une caverne. Il y a une caverne quelque part. Il y a une entrée quelque part. Je sais pas où elle est. Il y a une entrée quelque part. Parce qu'il y a un truc à l'intérieur. C'est quoi ça? Réveillon. F de serpent sang. Ok. Ok. Il y avait un truc. Mais... J'ai pas trop envie d'y aller par là. Il n'y a pas un truc de... Ah si, il est à côté, mais l'autre, il est vachement loin. Ah ouais. Mais si c'est vachement loin, je pourrais y aller après par là. Ouais. Mais après, je sais pas quoi faire en priorité. Ah, l'épreuve de Merlin, elle est là.
elle est là, l'épreuve de Merlin. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Ouais, mais c'est... Non, faut beaucoup... œuvre de serpent sombre. Est-ce que j'en ai beaucoup de ça? Il faut un œuf à chaque fois. Et si je peux pas la résoudre, je l'ai dans le cul. Ben dans ce cas-là, bougez pas. On va sauvegarder. Comme ça, au moins, je suis sûr, je peux reprendre ma sauvegarde. Allez, c'est parti. Ok. Incendio. Ah merde. Action. Non, c'est Incendio. Ça. Attends, bouge pas. Faut que j'aille voir ce que c'est. C'est un truc qu'on doit allumer. Il y en a un là, il y en a un là. Il y en a deux. Oh oh. Attends, il n'y avait pas des œufs de serpent sombre là? Si je veux allumer le deuxième, tu fais pas une couille toi le bélier, parce que si jamais tu essayes de m'attaquer, je vais être obligé de te défoncer. Attends. Comment? Alors. J'en ai un là. Un là-haut. Ok. Un autre là. Et un autre là. Ok. Je déloque. Rébellion. C'est une carte cassée. Donc ce qu'il faut que je fasse, l'autre je peux sauter. Faut que j'arrive à monter sur ce putain de rocher par un autre, par un côté. Ah, me dis pas que c'est une épreuve qui se fait au balai. C'est possible. Parce que si je fais ça, est-ce que je l'allume de là? Incendio. Est-ce que c'est la ramener? Non. Les vieux sauts. Donc c'est bien allumé, mais le problème c'est que il faut que j'arrive tout là-haut. Il n'y a pas une échelle. Il n'y a pas un truc pour aller là-haut. Oh. Oh putain. Ah ouais, d'accord. La galère. Il n'y a pas une liane comme... comme Tarzan. Oh putain. Ouais. Et ben je crois que... Ah bah merde. Y'a pas un autre moyen de... cassé. S'il y a peut-être moyen de sauter sur celui-là.
Il faut déjà que pas que je me gourde tout. Attends voir. Réveillon. Est-ce que c'est pas par là que ça me mènerait à là-bas? Ah. Si, peut-être. Attends voir. Que je sois à la bonne hauteur. Est-ce qu'il a le pouvoir de... Incendio. Il y en a un troisième. C'est quoi ce délire? Il y a une chronologie, hein, en plus. Oui, parce que en plus, allez, tout simplement, là il y a un coffre. Tenue émeraude élégante. Ok. Bon, déjà, comment je vais pouvoir faire pour avoir le deuxième? Ah si, d'accord, faut que je prenne celui-là. Alors regardons voir déjà la tenue élégante. On va s'améliorer en termes de vêtements. Ah oui, on va prendre 5. Une émeraude élégante exceptionnelle. J'aime moins quand même. Retourner sur celle-là, je crois que qui est ah ouais, c'est la classe, c'est vraiment la classe. Ok, donc Incendio. La touche pas. Pas que c'est simplement un coup de pouvoir. Incendio. Je vois pas de... Attends. Ah, ça a failli tomber. Alors déloque-moi le truc. Là, je peux pas passer. Là, ça sert strictement à rien que je la fasse. J'ai pas la solution. Je n'ai pas la solution. Donc, on va récupérer la mauve machin. Va charger le jeu avec la manuelle de 19h16. Il est quoi? J'aurais passé presque 10 minutes, enfin 8 minutes à chercher. Bon, ouais, on va prendre celle-là, hein, de voir sauvegarde manuelle. C'est bien celle-là. La manuelle, voilà. Je disais, il y a une minute. 25, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Ah non, mais je l'ai utilisé? Non. Non. Je l'ai pas utilisé. Donc là... Rébellion. Bon, ce qu'il faut pas que j'oublie, c'est...
d'aller chercher la tenue. Tout en haut. Allez. Ouais, c'est bon, ça va. Voilà. Non. J'ai pas la tenue. Comme quoi le coffre aléatoire il me donnait un bon truc, ben ça change tout. Je perds la mauve machin, hein, donc chargé na 1926. Faut que je prenne la 1923. Il me semble. Oh les boules. Il y a 28 secondes. Ouais. Il m'a fait apparaître tout, ce con. Il m'a fait tomber en dehors du machin là. Comment il m'a mis là? Est-ce que cette fois-ci j'ai la tenue? Mais non, c'est ça que je voulais faire. Parce que là. Ouais. Tenue émeraudée élégante. Je l'ai. Ouais, ouais. C'est bien celle-là. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah tant pis, hein, j'ai perdu une mauve machin. Voilà. Cap légendaire. Hop là. Pour la tenue, ça vaut bien le. Comment dire, le coup de. De perdre une mauve machin. J'en referai une, tant pis. J'ai perdu une épreuve de Merlin. Retour. Non, sauvegarder. On va écraser celle que j'avais fait. C'était la dernière. Ouais, c'était celle-ci. Le temps que j'ai perdu là sur ce truc. La carte. On va aller chercher. Attends, déjà je vais essayer de tomber en bas, voir s'il m'a tenu compte. J'ai pas perdu de vie, hein. À moins qu'il compte à chaque fois là que j'ai utilisé. Ouais. Incendio. Ah. Ce qui m'intrigue, c'est. Parce que là, ça avait été hyper chaud, là, je pense pas. Ah si. Putain. Ah merde. Ah merde. Ah oui. D'accord. Et faut que je me dépêche. Ok. Ouais, allez, vite. Ouais, vite, 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 dépêche-toi. Ah merde, dépêche-toi. Ah merde. Ok. Vite, 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 dépêche-toi. Ah mais c'est mort. Elle est remontée. Ah, hein.
C'est celle-là obligatoirement en premier. C'est celle-là obligatoirement en premier. J'étais monté comment tout à l'heure? Déloque. Faut que je pense à me déloquer. Ah oui, mais d'accord. C'est le tas de pierres qui m'avait permis de monter. Ouais. D'accord. L'autre, il est où? Là, il est là. Et l'autre, il est là-bas. Il faut que je pense vite à déloquer. Et que je fasse le dernier. Donc, il faut que je fasse le plus haut. L'autre qui est là-bas. Non, pas celui-là. L'autre qui est derrière, qui est planqué. Que je saute de l'autre côté, que je saute bien. Donc allez, on tente. Allez, vite. Je déloque. Vite. Ah. Ah, là, c'est niqué. Ah, merde. Déloque, vite. Et cours vite. Là, maintenant, on reloque. Ah, merde. Ah, mais si, j'y étais arrivé. C'est que je suis arrivé trop tard. Voilà. J'y étais arrivé, mais... là... Il faut que je saute là-bas. Allez. C'est parti. Là, je déloque. Je déloque. Merde. Allez. Putain, mais monte. Je peux pas monter par là. Vite. C'est barré, là, ce con. Eh ouais, mais... Ah ouais, mais faut que je pète les trucs. Et à moins que je passe par le petit d'abord. Ouais. On va essayer comme ça. Ok. Ici. Incentio. Allez, vite. Vite. Allez, vite. Dépêche-toi. Mais ils sont remontés tous les deux. J'ai pas été assez vite. Mais c'est là que je me merde. C'est là que je merde total. Incentio. On va essayer de le faire comme ça. Vite. Allez. Putain, mais elle est conne. Et voilà, mais il est déjà... Non, mais il doit y avoir une histoire de temps. Allez, c'est pas grave. Je vais pas me bourriner la tête sur cette quête trop longtemps. Ouais, c'est bon. Apparemment, il garde les mots... 12 pour celles que j'ai débloquées
et donc elle n'est pas perdue. Donc ce que je vais faire, c'est je vais voyager à cet endroit, aller débloquer l'autre point, assister au cours, et je pense que là ça ira pour cette vidéo. Allez, on y va, on est parti. Le chat, désolé, le petit chat, je n'ai point de temps. Et ouais, non, j'ai voyagé. Il me nique une mauve douce. Ah, c'est celui que j'avais débloqué. Il me nique une mauve douce parce que j'ai voyagé. Donc la prochaine fois, faut que je sois sûr de le débloquer. Oula, 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 c'est qui eux? Ils m'ont niqué là. Protego. Quelle incompétence. Ah mais il y a un chien, il y a carrément des mecs. Qui va te... Eh oh 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 oh. Que tu on va se... de perdre. Ce n'est pas incroyable. Joli coup. Allons. Incendio. C'est un peu comme si tu étais en feu. Protégo. C'était une erreur. Quasiment. Putain, ils m'ont défoncé là. Quelle heure il était? 19h37. Sauvegarde auto. 19h33. Hein? Ah mais c'était une auto. Ok. Donc là c'est chargé. Ok. Ouais. Je vois pas comment je pourrais, parce que je suis en chier pour remonter le truc. À moins que j'essaye de courir celui. Attends, bouge pas. Va pas tomber, bougre d'âne. Incendio. Je suis pas assez près. Merde. L'OK, c'est pas terrible. Ça m'empêche de faire ce que je veux. Là, est-ce que je suis bon? Non. Ouais, faut être carrément. Faut être carrément dessus. Et là. Allez, putain, mais là, il y a un trop gros temps.
Ouais, mais en plus, je fais pas le. Non, moi je pense qu'il faut partir réellement de là-bas. Je pense qu'il faut réellement partir de là-bas. Oh. Hé. Ah, surtout que ça monte pas à tous les coups. À moins que... Alors, je vise celui-là. Je fais celui-là. Vite, je le déloque. Je me barre là-bas. Vite, en courant. Je saute. Je saute vite, vite, vite. Voilà, le deuxième, je déloque. Et je me barre vite. Barre-toi! Ah putain, vite, 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 vite. Allez, le dernier. Ah putain, je l'ai pas. Ils sont rabattus. Ah, c'est vraiment hyper synchro. Il doit y avoir un truc pour arrêter le temps, je pense. Ah, la solution, je pense qu'elle est là. Vite, là, je déloque. Je me barre là-bas. Et là, ça monte pas. Ça fait chier. Voilà. Je sais pas si... J'ai réussi à monter par là. J'ai réussi à monter par là. On peut monter, bon, par deux endroits. Ok. Donc, attends. On va essayer de l'autre côté. Eh oui, mais... J'ai toujours ce putain de mur de pierre, là. Eh, faut que j'aille le détruire avant. Faut que j'aille... faut que j'aille le détruire avant. Ah non, c'est pas par là. Il me dit pas qu'il y a encore le coffre. Bon, je l'avais pris. Je l'ai bien, cette putain de cape, machin. La cape tenue, ouais, c'est bon. Ok. Si je pète celui-là. Ça fait pas, faut être quasiment devant. Là, ça me laisse combien de temps? Je calcule. Ah, ah. Mais ça baisse, ça les baisse tous. Ah. Apparemment, ça les baisse tous. Faut peut-être après que je les cible avec un sort ordinaire. Incendio. Attends-moi.
Ah, je regarde. Si je tape celui-là, je déloque. Ah, c'est bien ça, faut que je les fasse tous. Il y a pas à chier. Là, c'est un peu aléatoire pour monter. Allez. C'est parti. Eh putain! Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'elle fait? J'étais bloqué. Et là, il ressort. Il y a vraiment un endroit où il faut que j'arrive à passer. Sans avoir à loquer, sans que je tombe. Voilà. Merde. Et est-ce qu'il est encore baissé l'autre? Et il est relevé. Relevé, c'est baissé. Attends voir. Y a. Ouais. Ils font chier ces bugs de collision. Là, ça me gave d'être confronté à des putains de bugs de collision. Il y a vraiment qu'à certains endroits où on peut monter. Là, je suis obligé de le déloc. Allez. Vite, j'ai le temps. Ah non, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que ça a fait? L'autre il s'est rebaissé. Et l'autre il s'est rebaissé. Ouais, ben j'ai pas compris. C'est pas grave. Là il y a une énigme. Il y a une énigme de chronologie. Il faut certainement en faire qu'un. C'est pas grave. Quête, on va partir sur professeur Eckhart, c'est machin. Ok. Et là, on est sur celle-là. On va sur la map. On retourne à Poudlard. On va éviter le combat avec les autres connards. Elle est où la quête?
peut aller à la sortie. Non. Non. Mais pourquoi il met... Pourquoi il me met... le cours. Carte de couleur. Carte du monde. Il y a un truc qui chie dans la colle là. On va aller au grand escalier. On va aller la partie basse de l'escalier. Ça sera ouais. Et là il va peut-être me donner l'endroit. Donc là. Ok. Putain, il faut que j'aille désélectionner dans la carte du monde. Le truc là, sinon il va me faire chier avec son putain de chemin. Tout le long. Ici. Ouais, mais comment j'y suis assez proche. J'aurais perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Vraiment. Parce que. On essaye de se confronter à des ennemis. Rébellion. Il y a un truc qui sonne, mais je sais pas ce que c'est. C'est qui là? Il y a un truc. Il y a un truc par là. Mais non. Ah oui, non, mais non, non. Il est en train de m'indiquer le chemin, le... En théorie, le plus court. Là, je vois pas de... C'est là où je connais pas assez. Je connais pas assez le, le château. Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. Palo ne rate jamais. Réveillez-vous. Ici. Ouais. Ok. D'accord. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Ah ouais. C'est bon ça. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. C'est parti. Ah. Ah oui, faut vraiment aller vite. Et comment ça se fait que je n'arrive pas à... Alors. Ah ouais, d'accord, faut accélérer.
faut accélérer au moment où il y a l'indication du truc. Sinon, on perd bon du travail. Temps. Bon travail. D'accord. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Quelle mise à jour, Richard Schuker. Et ça fait quoi, ça? Désarmer les trucs. Ah oui, d'accord, ok. Bon, et eh ben, on va essayer. Donc, désarmer, c'est quoi? Il est où? Elle est où? C'est ça, désarmer. Expulse les baguettes et les armes de la main de la plupart des ennemis qui les brandissent, inflige également des dégâts à tous les ennemis, même s'ils ne portent pas d'armes. Ah ouais? Ah ouais? Alors, on va commencer. On lève et... Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour. Je vais lui faire carrément un Expelliarmus direct. Vous travaillez encore, à ce que je vois. Expelliarmus ! On va le dégommer, le mannequin. C'est bon, hein. Rébellion. J'étais sûr qu'il y avait un livre. J'en étais sûr qu'il y avait un livre. Je l'ai vu. Squelette de noir des hybrides. Squelette de noir des hybrides. Ok, 7 sur 25. Ça, c'est fermé. Auriez-vous un moment, professeur? Oui. Qu'y a-t-il? Je me demandais si vous aviez étudié à Poudlard. Oui. Je suis fière de représenter la maison Serdaigle. Pourquoi cette question? Je voulais savoir à quel point Poudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le château est plein de surprises. Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègle qu'à mon époque. Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessé par le temps un jour. Ouais. Par le temps? Je n'aurais jamais cru la chose possible. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années. Une langue de plomb? Qu'est-ce que... Ah! Personne comme qui parle pouvez pas l'imaginer, normalement. Je ne peux rien dire à ce sujet. Voilà. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Langue de bien, plomb, ouais, c'est une personne j'espère qui parle avoir pas. Satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. Ok. Bon, eh ben, ma foi, on va faire une petite pause,
On va arrêter la vidéo ici. Je pense que c'est suffisant. Et puis on va reprendre incessamment sous peu. Hein. Je fais une toute petite pause. Je mets pas la vidéo en upload. Je les mettrai en upload demain ou dans la nuit quand j'arrêterai de jouer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, petite, assez longue. Elle doit faire dans les 2 heures. Et donc on se retrouve donc très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.